Salut les amis, l'E3 ouvre ses portes la semaine prochaine et oui déjà. La conférence Xbox aura donc lieu ce lundi à partir de 18h30 heure française. Vous pourrez la suivre en direct sur Xbox.com, Xbox One et Xbox 360. Pour avoir plus d'infos sur les festivités, ne ratez pas notre focus spécial dans lequel nous vous détaillons tout ce qu'il y a à savoir. Vous découvrirez toutes les nouveautés à venir et beaucoup de surprises. Une des nouveautés de cette E3, c'est notamment l'arrivée d'une nouvelle Xbox avec cette fois-ci 1 Tera de disque dur. Une très bonne nouvelle si, comme nous, vous êtes un gros gamer qui a besoin de beaucoup d'espace. Avec cette nouvelle console, une manette fait aussi son arrivée. Celle-ci sera équipée d'une prise mini jack pour pouvoir brancher directement votre casque. Une version camouflage sera également disponible, le tout avec une finition mate du meilleur effet. L'autre info, c'est la possibilité dès la fin d'année d'utiliser cette manette sans fil sur Windows 10. Pour cela, un adaptateur vous sera nécessaire. Sachez aussi qu'il vous est toujours possible de brancher sur votre console un disque dur. Tout ce qu'il faut, c'est un USB 3.0. Facile, non ? Mirror's Edge vient d'officialiser son nom, ce sera donc Mirror's Edge Catalyst. Alors que son annonce remonte à 2 ans, ce nouvel opus devrait nous être révélé un peu plus durant l'E3. Lego Marvel's Avengers s'est révélé cette semaine avec un trailer explosif. Le jeu adaptera à la sauce Lego les 2 films Avengers, vous aurez ainsi la possibilité d'incarner chaque personnage. Oh. 505 Games a révélé son line-up pour l'E3. Au programme, nous aurons droit à Adrift, qui s'est révélé aussi cette semaine avec un très joli trailer, mais il y aura aussi Payday 2 Crime Wave Edition, Overkill's The Walking Dead, Assetto Corsa ou encore Brothers A Tale of Two Sons. Un programme bien rempli avec plein d'informations à venir durant ces 3 jours de salon. Vous aussi, quand vous étiez gosse, vous organisiez de grandes batailles avec vos jouets ? Eh bien, avec Toy Soldiers War Chest, vous allez pouvoir revivre vos plus grandes heures de gloire. Sur le champ de bataille, vous allez devoir utiliser vos armées en plastique pour défendre votre coffre. La nouveauté est notamment l'arrivée de Musclor parmi les combattants, ainsi que de G.I. Joe. Les nostalgiques vont être ravis, le jeu est prévu sur Xbox One cet été. Les bons plans gold de cette semaine s'adressent aux sportifs. En moyenne, vous allez pouvoir profiter de 60 à 70% sur FIFA 15, NBA Live 15, Madden 15, EA Sports UFC et NHL 15. Vous allez pouvoir transpirer dans votre canapé. L'autre jeu mis à l'honneur, c'est Sunset Overdrive et si vous ne l'avez pas testé, c'est l'occasion ou jamais. Pour toujours plus d'infos, n'hésitez pas à revoir les précédentes Xbox TV. Nous vous donnons rendez-vous durant l'E3 pour plein d'infos bouillantes. Restez aussi avec nous bien sûr sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. En attendant, bon jeu à tous.